Alléluia. Ça, c'est une réalité. Mais Pierre dit, nous ne sommes pas ivres de vin. Alléluia. Ce n'est pas le vin. Si vous nous voyez quelque peu, peut-être un peu en train de chanceler, ne pensez pas que nous avons bu, parce qu'il fait encore très tôt. Alléluia. On n'est pas ivres. Nous ne sommes pas sous. Alléluia. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi, concernant la boisson, nous ne conseillons pas à un serviteur de Dieu de prendre un peu de vin pour venir à la chair et prêcher. Parce qu'à la fin, on va confondre le vin et le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut que lorsque la prédication est prêchée, on attribue le mérite au Saint-Esprit. Parce que le vin, là, lorsque vous le prenez à un certain moment, vous commencez à gesticuler, à transpirer beaucoup. Celui qui vous regarde dit, cet homme-là, le Saint-Esprit l'a inspiré. Et puis celui qui vous a vu prendre un peu de ce machin-là, il dira tout simplement, je l'ai vu prendre deux verres. C'est le vin là qui le travaille. Vous voyez? Alors, la prédication serait discréditée. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque vous voyez les sacrificateurs dans la loi, le Seigneur dit, lorsqu'ils vont accomplir le service, ils se privent de boisson. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Et nous croyons que c'est la manière sage de faire. Amen. Alléluia. Alors la Bible nous dit, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a pris à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et cette prédication-là, le Seigneur l'a qualifié de folie. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, vous et moi, quand nous recevons la personne de Christ dans notre cœur, ça ne nous gêne pas que les hommes disent alors que nous sommes des fous de Christ. Amen. Parce qu'en réalité, nous sommes des fous de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé. Alors, Christ nous rend si amoureux de sa parole. Que lorsqu'on nous regarde, mais cet homme-là, il est un fou de Christ. Alléluia. Amen. Et du haut des cieux, le Seigneur il gagne bien sûr. Alléluia. Amen. Il dit, les Juifs demandent des miracles. Alléluia. Les Juifs déclarent la richesse des miracles. Ils veulent voir le surnaturel. Mais les Grecs, ils ne cherchaient pas les miracles. La Bible nous dit, les Grecs cherchent la sagesse. Alléluia. Amen. Et si vous lisez bien le livre d'Actes des Apôtres, vous voyez que les Grecs étaient des personnes épris de connaissances, toujours à la recherche du savoir. C'est pourquoi ils pouvaient laisser la parole à Paul et demander à Paul, prêche-nous ce que tu nous enseignes. Quand Pierre a commencé à prêcher, il dit, mais cet homme nous enseigne des divinités étrangères. Nous n'avons jamais entendu parler de pareilles choses. Mais les Grecs étaient aussi sincères. Remarquez que la Bible nous dit, ils ont mis un autel, et puis sur cet autel, comme eux-mêmes savent qu'ils ont une pluralité de Dieu, ils ont écrit avec sincérité à un Dieu inconnu. Alléluia. Amen. Lorsque Paul a vu cela, il s'est arrêté, il a dit en bien-aimé, je vous trouve extrêmement religieux, car en passant sur la voie, j'ai vu quelque part là-bas une inscription à un Dieu inconnu. Mais ce Dieu-là que vous adorez sans le connaître, c'est celui-là que moi je vous annonce. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont écouté. Ils étaient émerveillés. Ils étaient dans l'étonnement. Parce qu'ils n'avaient jamais entendu de si pareille chose. Alléluia. Oui, bien aimé. Il dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Christ Jésus est pour nous la puissance de Dieu ainsi que la sagesse de Dieu.
Ah oui, bien aimé. Nous sommes à la recherche de la sagesse. La Bible nous dit Jésus est notre sagesse. Amen. Alléluia. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Alléluia. Quand les hommes pensent qu'ils sont sages, Dieu dit, moi, ma folie, là, elle est plus sage que vous. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et cette folie plus haut, la Bible nous a dit que ce n'est rien d'autre que la prédication de la croix. Alléluia. Et la puissance de Dieu, elle est plus forte, ou la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Et ça, c'est la sagesse du monde. Dieu n'a rien à voir avec cette sagesse. Remarquez que lorsque le Seigneur a voulu travailler avec Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Moïse. Et si vous lisez Actes des Apôtres, le chapitre 7, je crois, à partir du verset 22, vous verrez à l'intérieur qu'il est dit que Moïse était sage de la sagesse de l'Égypte. Il était un homme instruit. Parce que, figurez-vous, Moïse était un jour appelé à régner sur le trône. Parce que la fille de Pharaon avait fait de Moïse un fils adoptif. Mais ce n'était pas ça la préoccupation de Moïse. Quand nous sommes du Seigneur, il y a quelque chose à l'intérieur de notre cœur qui nous attire vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Quand une profondeur appelle, Amen. Il faut qu'une profondeur pour le corps. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Comme l'aimant attire le fer, alors à l'intérieur de notre cœur, il y a quelque chose qui nous attire vers le Seigneur. Regardez que la Bible nous dit, pour ceux qui sont destinés à la vie, selon le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 13, ils ont cru en la parole de Dieu. Amen. Si nous ne sommes pas destinés, nous ne croyons pas. Amen. Mais quand on est destiné, on ne peut rien faire. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que vous allez aller ici et là, mais bien aimé, vous viendrez au Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes un fils et un destiné du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, le diable ne peut pas vous l'a dit. Ça, c'est que Jésus a dit. Il a dit dans le livre des Jean. Il dit, une personne ne peut me ravir de ma main. Amen. Alléluia. Amen. Même le diable ne peut pas venir. Parce que là, quand le Seigneur nous saisit, qu'est-ce qui peut nous détacher de sa main? Amen. Alléluia. Personne ne peut me ravir. Amen. Quand nous sommes du Seigneur, nous sommes à lui. Amen. Et le Seigneur, il nous garde jalouseux. Alléluia. Oui, bien-aimé. Alors Moïse, cet homme du Seigneur, lorsqu'il a été appelé par le Seigneur a pris le soin de le dépouiller. C'est pourquoi le désert a été venu. Alléluia. Il avait quoi à sa disposition? Il avait tous les mets qu'il voulait. Il avait toute la nourriture qu'il souhaitait. Mais lorsque le Seigneur l'a appelé à lui, le Seigneur, pour l'élever, l'a fait descendre. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur agit. Amen. Le Seigneur ne vous prend pas du haut pour vous amener en haut. Parce que vous êtes déjà en haut. Amen. Lui, il vous fait descendre d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le mérite, là, lui, revient. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il te fait descendre d'abord. Parce qu'il faut que tu saches que tu n'es rien. Amen. Et pour savoir que tu n'es rien, il te fait descendre. Alléluia. Amen. Il dit, Moïse, tu avais un bon nom, ça c'est bien. Mais moi je te dis, il faut que tu descendes. Alléluia. Amen. Et puis Moïse a retrouvé quoi berger? En train de suivre le bétail. En train de voir comment, vous voyez, les brebis fonctionnent.
Comment est-ce que ces animaux-là mettent bas? Moïse les garde. Et avec amour, tendresse, il prend soin de toutes ces choses-là. Dans le désert, ce n'est pas facile, frère. Le désert, quand il fait chaud, il fait chaud. Et la nuit, il fait frais. Et là, le Seigneur a amené Moïse. Alléluia. Dit Moïse, tu as besoin de la formation militaire. Alléluia. Pour être un bon combattant, un bon soldat, aguerri, il faut que tu passes là. Et Moïse a passé là. Il fallait aimer d'abord les animaux, voir comment est-ce qu'ils fonctionnent, pour pouvoir comprendre aussi les hommes. Parce que le Seigneur avait voulu qu'il conduise les hommes. Mais pour conduire les hommes, il dit qu'il faut conduire les bétails. Alléluia. Et c'est la même chose avec David. Dieu avait prévu qu'il conduise les hommes. Mais pour les conduire, il conduit le bétail. Alléluia. Oui, bien aimé. Et quand il a été à l'école du Seigneur, il a compris comment est-ce qu'on prenait soin des animaux. Alléluia. Oh, bien aimé. Et remarquez, Moïse, remarquez tous ces bons bergers. Alléluia. Lorsque les animaux venaient, selon David, pour essayer de s'emparer d'une brebis, il dit, moi, je lui faisais face. Alléluia. Mais frère, pourquoi risquer sa vie devant la perte d'une brebis? Ça n'a pas de sens. Les lions viennent pour prendre quelque chose, toi tu viens, tu dis je ne veux pas. Mais laisse-lui prendre la brebis, qu'il la mange. De toutes les manières, ce n'est qu'une chair, ce n'est qu'une brebis. Mais le Seigneur avait voulu le forger. Quand un homme a 80 ou 100 brebis, qu'il a perdu, le Seigneur dit, il fait quoi? Il laisse les 99. Et puis il part à la recherche de celle qui est perdue. Mais celle qui est perdue là, elle peut s'être égarée. Alléluia. Comme quelque part, un ennemi a pu peut-être s'en emparer. Prêt peut-être à l'égorger. Il faut que le berger aille jusqu'à récupérer la brebis. Et puis lorsqu'il a pu, ah, ça le Seigneur il nous donne de quoi, de belles images. Amen. N'est-ce pas? Oui. Le Seigneur a dit, il l'a ramène. Alléluia. Amen. Et ça, c'est avec amour et tendresse. Il l'a ramène. Tout joyeux. Et c'est la fête. La fête à la maison parce que celle qui était perdue a été retrouvée. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux, frère. Alors le berger prend sa brebis, la charge sur les épaules et puis il rentre chez lui. Tout joyeux. Alléluia. Et le Seigneur a voulu que ce soit ainsi avec Moïse. Alléluia. Et vous savez combien de temps ça a duré? Nous, on passe une épreuve de un mois, on crie. Épreuve de un an, on crie. Moïse avait 40 ans dans le désert. A surveillé le troupeau de Jéthro, son beau-père. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. 40 ans. Et lui-même avec un âge quand il est arrivé chez Jéthro. 40 ans, frère. On dirait, il est arrivé chez Jéthro jeune, et puis il entre dans le ministère à 80 ans. Alléluia. Ça, c'est tout le temps que le Seigneur a pris pour le former. Parce qu'il avait justement besoin de formation. Alléluia. Oui, frère. Quand Dieu dit, Moïse était un homme patient. On lit, mais comment il était passé? Parce que Dieu lui a appris la patience. Le Seigneur lui-même lui a dit, bon, comme j'ai besoin d'un homme pour conduire le peuple, et l'homme est difficile à conduire, il faut que tu sois patient.
t'a pris la personne. Et il a fait 40 ans. Frère, 40 ans. Quelquefois, nous, on a 35 ans, 38 ans. Vous voyez, et puis on vit une épreuve de 2 mois, on commence à cuisiner. Mais Moïse, il a vu plus que ce que nous nous voyons. Alléluia. Oui, bien aimé. Mais néanmoins, il est resté accroché au Seigneur. Amen. Et le Seigneur lui a enlevé la sagesse là. Et lui a donné sa sagesse à lui. Alléluia. Alléluia. Il dit, va, je t'envoie pour libérer mon peuple. Moïse est parti. Ce n'était pas lui, mais Dieu en lui. Amen. Pour libérer le peuple. Vous savez, Moïse lui-même ne pouvait pas faire quelque chose. Amen. À 80 ans. À 40 ans, il n'a pas pu faire quelque chose. Ce n'est pas à l'âge de la vieillesse qu'il peut faire quelque chose. Si c'était lui-même par sa force. Mais le Seigneur a voulu qu'il atteigne l'âge de la vieillesse pour l'envoyer. Et puis il dit à Moïse, prends un bâton. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Et ça, c'était le bâton que le Seigneur lui avait donné à lui. Et Moïse est parti avec un bâton. C'est avec ce bâton-là qu'il a fait sortir Israël. Amen. Alléluia. Amen. Dieu était avec lui. Amen. Le Seigneur était dans ce bâton. Amen. Alléluia. Le rocher frappé, la mer rouge séparée, les différents fléaux qui se sont abattus sur le pays d'Égypte, c'était Dieu en Moïse qui m'a conduit. Alléluia. Amen. Alors la sagesse de Dieu, elle est elle-même pure. Alléluia. Nous allons lire cela dans le livre de Jacques. Jacques nous qualifie cette sagesse. Jacques, le chapitre 3, le verset 13. La Bible dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? C'est pas ça? Amen. Dieu dit, il va détruire la sagesse des sages et il va réduire à néant l'intelligence des intelligents. Il dit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Alléluia. Alors, il faut montrer ses œuvres par une bonne conduite. Alléluia. Tu es sage et intelligent? Dieu dit, ce n'est pas une confession. On ne s'assoit pas là pour dire, je suis sage et intelligent. Il faut que ta conduite montre que tu es sage et que tu es intelligent. Amen. C'est pourquoi il dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Alléluia. Amen. Donc la sagesse elle-même, elle est douce. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à la douceur. Un frère doit être doux. Une sœur doit être douce. Alléluia. Oui, bien aimé. Il dit, même si vous avez dans votre cœur un zèle amer. Ah, frère, ce qui est amer à sa part difficilement. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit zèle amer. Oui, frère. Si, de par notre attitude, nous ne faisons que créer le trouble et le tourment là où nous nous trouvons, Dieu dit ton zèle là, c'est un zèle amer. Alléluia. Amen. Tu es difficilement accepté. Quand tu viens à peine, tu es là que les hommes veulent se lever et puis s'en aller. Parce qu'ils, dans leur cœur, ta présence même commence à indisposer les hommes. C'est un zèle amer. Alléluia. Amen. La Bible dit, si vous avez dans votre cœur un zèle amer, et un esprit de dispute, alléluia. Oui, bien-aimé, partout où tu te trouves, ce ne sont que des espoirs. Ce ne sont que, vous voyez, des tiraillements. Il y a toujours quelque chose qu'on doit
raconté. Le frère est ceci, la soeur est ceci, le frère a fait ceci, la soeur a fait ceci. Et quelquefois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi le fait de se taire est un problème pour les hommes. Pourquoi? Frère, pourquoi dire des méchancetés sur son frère ou sur sa soeur? Pourquoi? Quand on le fait là, on est content, on ressent quoi dans le cœur? Frère, est-ce que si toi-même on te le faisait, tu serais content? Est-ce que tu vas accepter cela? Mais pourquoi le faire? Pourquoi le dire de ton frère ou de ta soeur? Frère, si je dois dire quelque chose d'un frère, que ce soit quelque chose de bien. Alléluia. Amen. Et si j'ai un reproche à faire à mon frère, je dois aller vers lui et le lui dire. Amen. Mais je n'ai pas besoin de dire à mon frère, à un frère, tu sais, le frère, il a fait ceci. Toujours on parle de quelqu'un à quelqu'un. Pourquoi? Alléluia. Amen. Et Jésus ne nous appelle pas à vivre la communion fraternelle dans un pareil esprit. La Bible nous dit, ça c'est la mère, et l'esprit de dispute. La Bible dit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Amen. Pourquoi? Il dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Alléluia. Mais elle est une, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Quand tu prends ton courage pour aller parler mal de ton frère ou de ta soeur, Dieu dit, ça là, c'est la mer. Ce saint esprit de dispute. Cette sagesse que tu as, elle est terrestre, c'est-à-dire elle est de la terre. Elle est charnelle. Et puis de toi, elle est diabolique. Ça vient du diable, frère. Et ce sont des choses qui polluent la communion fraternelle. Oui, bien-aimé. Et quand on dit à quelqu'un, toujours c'est toi. Tu as dit ceci, tu as dit ceci, tu as dit ceci. Je ne sais pas si c'est une fierté pour celui-là à qui on le dit. Mais ça ne peut pas être une fierté, frère. Alors il dit, car là où il y a un seul âme et un esprit de dispute, il y a du désordre, frère. Oui, bien-aimé, c'est un désordre. C'est comme quelqu'un qui traverse la route. Vous n'avez pas besoin de lui dire s'il traverse la route sans regarder à gauche, à droite. Vous n'avez pas besoin d'aller prier pour savoir qu'un jour une voiture va le renverser. Parce qu'un jour une voiture va le renverser. Alléluia. Et ça, c'est une réalité. Si tu t'arrêtes au feu tricolore, tu ne regardes pas si le feu est rouge ou quoi, et puis toi, tu traverses la route. Peut-être qu'aujourd'hui ça t'a loupé, mais demain si tu le fais, certainement Dieu qui va te renverser. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quand on pose un certain nombre d'actes, il ne faut pas s'étonner du résultat que ça produit. Alléluia. Amen. Si tu t'en vas parler mal de ton frère, il ne faut pas être étonné qu'à la fin ça produit des autres. Parce que justement, tu as engendré pour le désordre. Alléluia. Amen. Qui jamais a mis une semence en terre et est étonné au jour de la récolte que ce qu'il a mis en terre l'a produit. Alléluia. Amen. Quelqu'un a mis en terre une noix de mangue et puis il voit le manguier qui sort, il est étonné. Il dit, ah, lui il pensait que ça allait être des goyaviers, des goyaves. Ça n'a pas de sens. C'est une noix de mangue que tu as mis en terre. C'est normal que ce soit un manguier, que ça te donne des mains. Alléluia. Amen. Alors, quand on veut voir le bon ordre, on met toutes les choses, tout ce qu'il faut à notre portée pour que
qu'il y ait une bonne atmosphère. Amen. Voilà. Là, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de trouble. Alléluia. Amen. Alors, la Bible continue. Pour dire ceci. Et toutes sortes de mauvaises actions. Ça, c'est ce que la Bible dit. Le zèle ardent et l'esprit de dispute, ça ne produit pas du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ça, c'est ce que Dieu dit. Elle est pure. Deux, elle est pacifique. Il n'y a pas de palabre. Amen. Trois, elle est modérée. Alléluia. Amen. Quatre, elle est conciliante. Quand il y a de petits qui abusent là, on ne dit pas moi je suis de tel côté. Non, non, non. Mais cette sagesse-là, vous voyez, elle dit, frère, frère, vous ne devez pas vous regarder, vous voyez, comme des ennemis. Parce que vous êtes frères et sœurs en Christ. Vous devez aller au-delà de vos raisons. Et que vous devez vous retrouver dans l'amour fraternel. Ça, c'est ce que produit la sagesse qui vient d'en haut. C'est pourquoi la Bible nous dit, elle est conciliante. Elle réunit deux, vous voyez, les oppositions. Alors elle est conciliante. Elle est pleine de miséricorde. Ah oui, bien-aimé. Dans le cœur, il y a de la pitié. Un homme qui n'a pas de pitié dans son cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que nous le sortions de la pitié. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il nous regarde, il est miséricordieux à notre égard. C'est parce qu'il a pitié de nous. Mais si Dieu a pitié de nous, que nous-mêmes, on n'a pas pitié les uns des autres, alors il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible nous dit, plein de miséricorde et de bons fruits. Le fruit est quoi? Il est bon. Exempt de duplicité. Alléluia. D'hypocrisie. Alors, tout le fasse. La Bible nous dit, la sagesse qui vient d'en haut ne fonctionne pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Le visage que tu donnes, c'est ce que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Oh, le fruit de la justice est serré dans la paix par ceux qui le cherchent, la paix. Amen. Alléluia. Amen. Alors là, c'est la sagesse la sagesse du monde. Et celles de Dieu. Elles sont opposées. C'est pourquoi le Seigneur dit, il n'a pas besoin de cette sagesse. Alléluia. Amen. Mais lui-même se fait sagesse pour nous. Amen. Et il nous donne cette sagesse. Il dit, mais Dieu a choisi les choses bonnes du monde pour confondre les sages. Alléluia. Amen. Lui vient de lui. À partir de ce qui n'est lié, alors le Seigneur fait de grandes choses. Et remarquez que tout au long de l'histoire du salut, c'est ainsi que le Seigneur a procédé. Il est parti à partir du néant pour faire de grandes choses. Oh bien-aimé, nous avons lu quelque chose dans le livre de Matthieu, le chapitre 1, et nous allons lire la généalogie de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé. À partir de ce qui, sans être inconsidéré, de ce qui est rejeté, le Seigneur fait de grandes choses. Amen. Alléluia. Alors la Bible nous dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alléluia. Amen. Jésus est le fils de David. Il est aussi le fils d'Abraham. Amen. Un jour, il s'assiera sur le trône de David. N'est-ce pas? Amen. Et il régnera comme le roi. Alléluia. Alléluia. Il est aussi le fils d'Abraham. Et souvenez-vous que c'est en Isaac qui est appelé une postérité à Abraham. Alléluia. Amen. Il est fils d'Abraham. La Bible nous dit Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob.
Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pérez et Zara. N'est-ce pas? Pérez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Alléluia, frère. Et remarquez, comme je l'ai dit, le Seigneur a parlé de ce qui semble être méprisable. Le Seigneur fait de bonnes choses. Alléluia. Quand vous allez lire le livre de Genèse, chapitre 38, vous verrez à l'intérieur qu'il est dit de Judas. Judas avait une femme. Et au travers de cette femme, Judas a eu trois enfants. Le premier enfant est décédé. Le deuxième, Judas a dit, tu vas prendre ta belle-sœur. Pour pouvoir susciter un enfant à ton frère qui est décédé. Et remarquez que ce dernier-là, la Bible nous dit, comme lui, il ne voulait pas donner de descendance à son frère, il s'est souillé à terre. Et pour ceux qui comprennent, vous voyez, lorsque cet homme était avec cette femme-là, au moment où il devait lui donner, vous voyez, projeter sa semence, alors il trouvait le moyen, c'était son astuce à lui. Il empêchait cela. Et puis, lui, il faisait autrement. Il répandait sa semence, vous voyez, à terre. Quand le Seigneur a vu ça, le Seigneur dit, toi, ce que tu fais là est mauvais. Et la Bible nous dit, le Seigneur l'a fait mourir. Les deux fils de Judas sont décédés, morts. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Le troisième, il faut lui donner. Judas a dit à sa belle-fille, Tamar, pour le moment il est jeune. Quand il va grandir, je vais te le donner. Et puis ta mère est restée quelque part, elle attend. Elle attend, elle attend, les années s'écoulent. Judas ne réagit pas. Alors elle a appris que Judas venait. Elle s'est déguisée. Elle a pris la mine d'une prostituée. Un poil sur le visage. Et elle est descendue. Quand Judas l'a vue, il a pris une prostituée. C'est ce que la Bible dit. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est approché d'elle pour avoir commerce avec elle. Elle lui a demandé tout simplement des outils qu'il avait. Tu me donnes ton seau, ton bâton. Moi, c'est de cela que j'ai besoin. Alléluia. Judas dit, comme je n'ai pas d'argent, bon, on fait vite et puis après je t'amène le nécessaire. Quand il a envie de faire ce qu'il avait à faire, il est revenu plus tard, mais la prostituée n'était plus là. Il dit, bon, qu'elle garde ce qu'elle a. Et il a appris plus tard que Tamar était enceinte. Ah oui, il est là. Il dit, mais allez, vous envoyez d'elle, mais brûlez-la. Tamar est venue, elle dit, oui, je sais que j'ai mal fait, mais je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est à lui qu'appartient le cachet du voyage. Judas a regardé et dit, ah, elle est plus juste que nous. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons, frère? Amen. 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 Et c'est à partir de ces deux enfants que Tamar a donné à Judas que la naissance du Messie s'est faite. Alléluia. Frère, ce sont des choses que nous ne pouvons pas maîtriser. Des choses que nous, on ne peut pas commenter. Mais le Seigneur, à partir de ce qui est méprisable, à partir de ce qui est vil, rejeté, le Seigneur lui fait de bonnes choses. Alléluia. Amen. Le Seigneur choisit les choses viles du monde pour confondre les autres. Alléluia. Amen. Et voici Pérez qui naît, et puis Pérez lui met après au monde son enfant à lui. Alléluia. Oui, bien-aimé. Mais le manqué que la Bible nous dit, Judas ne peut aller vers elle.
Alléluia. Parce qu'il a vu que ce qu'il avait fait était mal. Il n'a plus continué. La Bible nous dit qu'il ne l'a connu plus. Alléluia. La Bible nous dit, au verset 4, Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Alléluia. Oui, bien aimé. Ça, ce sont des choses que nous, les hommes, on ne comprend pas. Mais qui était là? Josué nous dit au chapitre 2 que Rahab était une prostituée dans la ville de Jéricho. C'est ce qu'elle était. Elle se vendait pour de l'argent. Combien d'hommes Rahab a-t-elle connu? On ne dit pas. Mais je veux dire qu'elle a certainement connu beaucoup d'hommes parce qu'elle était prostituée. Mais quelque chose de bizarre s'est produit. Dans la ville de Jéricho, Josué a envoyé deux espions. Et les deux espions sont rentrés à Jéricho. Frères, ils ont commencé à inspecter. Aujourd'hui, on parle de renseignements généraux, c'est ça? Mais les renseignements généraux, ça existait depuis longtemps. Amen. Quand les deux espions sont rentrés, les hommes à Jéricho savaient qu'il y avait deux espions hébreux dans la ville. Et ils se sont mis à la recherche des espions. Là, la prostituée a pris les deux espions et elle les attache. Amen. Et plus haut nous dit que ça s'appelle la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et les amis là, gardez. Lorsque les hommes sont venus, il y a deux sujets qui sont venus ici. Nous voulons que tu nous les dises, elle dit là. Ils sont sortis, ils ne sont plus ici. Allez, après, vous ne les poursuivez. Mes frères bien-aimés, les deux espions étaient là. Et plus tard, elle les a fait sortir. Mais avant de partir, elle leur a dit, souvenez-vous de moi, car alors vous viendrez. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé, frère. La Bible nous dit qu'ils ont fait une alliance et lui ont dit, tu regroupes avec toi tous tes parents. Tous ceux qui ne seront pas chez toi, lorsque nous viendrons, alors ils seront mis à mort et leur sang tombera sur la tête. Mais bien aimé, à partir de Josué, le chapitre 6, c'est là où la prise de Jéricho s'est faite. Josué a donné la recommandation, il dit, vous ne toucherez pas à Rahab, ni à ses parents. Vous allez les épargner. Et là, la prostituée, elle a mis un fil de cramoisie à sa fenêtre pour que les espions puissent reconnaître que là, c'est sa maison. Ça aussi, c'est le serment du sang. Alléluia. Bien-aimés. Et la Bible nous dit, quand ils sont rentrés, ils l'ont épargné. Elle et toute sa famille. Quand vous allez lire, je crois le chapitre, le verset 25, la Bible nous dit que Rahab a habité au milieu des enfants d'Israël. Et voici un hébreu qui avait reçu du Seigneur la recommandation de ne pas prendre une femme païenne. Il a été conduit à prendre cette dernière. Alléluia. Une prostituée. Et il a mis chez lui. Il a vécu avec elle. Et puis elle lui a fait un enfant. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Amen. N'est-ce pas? Amen. Salomon engendra Boaz de Rahab, cette prostituée. Alléluia. Oui, bien aimé. À partir de ce qui est insignifiant et méprisable, Dieu lui fait de bonnes choses. Amen. Et il confond les hommes. Mais il y avait des sacrificateurs et autres.
Elle pouvait dire que nous trouvons ça répugnant. Parce qu'elle était censée prendre des vierges, hein, des sacrificateurs. Et quand il voit une femme prostituée, il se dit, mais selon la loi de Moïse, elle a, il y a depuis longtemps, elle est morte. Et puis voici un degré qui se lève, ça va bien. On dit, mais tu as réfléchi. Est-ce que tu peux supporter ça? Mais c'était le Seigneur qui me conduisait. Alléluia. Et voici Boaz. Alléluia. La Bible nous dit que Boaz engendra aussi auprès de Ruth. Ah, les frères. Le plan du Seigneur, il est incompréhensible. Au même lui aussi, Boaz engendré auprès de Ruth. Boaz est allé prendre aussi Ruth. La Moabite. Alléluia. Mais l'histoire de Boaz est racontée dans chose, dans le livre de Ruth. N'est-ce pas? Ruth la Moabite a accepté d'épouser le fils de Élimélec. Élimélec est cette fille son mort. Et alors, elle est allée avec Naomi, sa belle-mère, dans le pays d'Israël. Accompagnée d'Orpa. Orpa a résisté en chemin. Et Ruth la Moabite a accepté de continuer. Amen. Frère, il y a quelque chose qui a fait Ruth. La première des choses qu'a fait Ruth, c'était une décision. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Alléluia. Et elle a marché. Frère, la deuxième chose qu'elle a faite lorsqu'elle est arrivée dans le pays d'Israël, c'était de se mettre au travail. Parce que Élimélec avait tout perdu. Elle a commencé à glaner dans le champ. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Dans le champ de Boaz. Et elle s'est montée travailleuse. Quand Boaz a regardé, Boaz a dit, cette fille-là, c'est qui? On dit, c'est la belle-fille de Naomi. Boaz dit, ne l'embêtez pas. Laissez-la glaner comme elle voudra. Et même lui a fait des faveurs. Après la décision, c'est le travail. Alléluia. Et lorsque elle est revenue avec le chargement à la maison, Naomi lui a dit, où tu es allé glaner? Elle dit, je suis allé dans le champ de Boaz. Elle dit, Boaz! Mais Boaz est lui-même païen à Élimélec. Ne va pas ailleurs, reste là. Ça, c'est l'obéissance. Elle est restée. Et après cela, Naomi lui a donné des conseils. Il ne faut pas qu'on te voie avec des jeunes. Reste tranquille. Parce que Naomi savait qu'est-ce qu'elle voulait faire. Alléluia. Elle dit, lorsque tu vas aller, il se couche. Tu vas, tu te couches à ses pieds. Alors il est allé se coucher à ses pieds. Lorsqu'il s'est réveillé au plein sommeil, je vois le matin, il a regardé, il voit une femme, il regarde c'est Naomi. Il dit à Naomi, tu restes tranquille. Allez plutôt, tu restes tranquille. Parce que maintenant, il savait ce qu'il devait faire. Il dit, moi, je ne peux pas te plaindre. Parce qu'il y a avant moi quelqu'un qui est plus proche d'Élimélec. C'est lui qui a le droit de l'argent. Parce que pour pouvoir racheter la propriété de quelqu'un, il fallait un proche parent. Celui qui était le plus proche, c'est lui qui devait le faire. Amen. Et alors, il ne sait pas, quand il est venu raconter tout ça à Naomi, Naomi il est venu. Il ne va pas dormir jusqu'à ce qu'il ait fait ce qu'il doit faire. Et ça, ça s'appelle le repos. C'est pourquoi la première chose que Dieu nous fait, c'est d'abord d'expérimenter la justification. La deuxième chose, c'est de faire l'expérience de la sanctification. Et la troisième chose que Dieu nous donne, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le repos. Alléluia. Amen. Et après le repos, maintenant vient quoi? Le festin des noces. Ça, c'est ce que la Bible dit.
Quand il allait voir ce dernier dit, moi je ne peux pas faire ça. J'ai déjà une famille. Il est allé. Vous voyez, quand les hommes marchent avec le désordre, c'est ça. Quand Boaz a voulu prendre Ruth, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il est allé voir les anciens. C'est avec les anciens de la ville. Hein? Il est allé voir les anciens. Il dit que vous soyez témoins. C'est ce que la Bible dit. Hein? Que vous soyez témoins qu'aujourd'hui, là, j'ai racheté tout ce qui était à Elimelech, y compris Ruth la Moabite. Et tous les anciens de la Bible ont été témoins, frère. Et puis après, la Bible dit qu'ils ont fait quoi? Ils ont béni Ruth la Moabite qui en fait dans l'histoire. Alléluia. Amen. Ils ont prononcé la bénédiction. Alléluia. Amen. Et c'est la manière du Seigneur de faire. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alors la Bible nous dit, Boaz engendra Obed de Ruth. Obed a engendré plus tard Isaïe. Alléluia. Amen. Et Isaïe a engendré David. Le roi David engendra Salomon de la femme du Ruth. Alléluia. Amen. Et ça, c'était la manière de Dieu de faire. À partir de l'adultère, l'enfant décède. David a pris Bathsheba parce que lui était mort. Et puis, Dieu a consolé David. C'est David qui dit. Amen. Frère, ce sont les expressions du Seigneur. Dieu a consolé. Et David, par rapport à ça, a consolé Bathsheba. Parce que Bathsheba ayant perdu le premier fils, alors il lui donne Salomon. Et puis à Salomon, Dieu lui donne le trône. Frère, si c'est vous et moi notre jugement, dis-moi. C'est injuste que Salomon soit là. Parce qu'il est fils d'une femme qui a été adultère. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Il a été. Dieu pour lui, c'est il est toi aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, il est toi. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Amen. Il a été prostitué. Dieu dit aujourd'hui, il est toi. Regardez un peu le contraste. Il a été, il ne l'est plus. Amen. Toi, tu as été un bon chrétien. Aujourd'hui, tu ne l'es plus. Oui, ça, c'est les contradictions dans ma vie. Hein. Amen. Alors, le Seigneur, il regarde le présent. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que le Seigneur choisit les choses vives de ce monde, ce qui est méprisable. Et à partir de là, il confond les hommes. Amen. Le Seigneur n'a pas fait que dire, mais il a montré. Amen. Tout au long de l'histoire du Seigneur. Et alors, parlons maintenant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Fils. Amen. Alléluia. Amen. Quand le péché est intervenu, le Seigneur dit, je mets une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Amen. Ta semence et sa semence. Et là, c'était le Messie. Dans le livre de Luc, lorsque Gabriel vient annoncer la nouvelle à Marie, Marie lui dit, comment est-ce que cela se ferait car moi, je n'ai pas connu ton. Là, Gabriel dit, le Saint-Esprit viendra va te couvrir de son nom. Et cet enfant qui va naître de toi, il sera appelé le Fils du Dieu très haut. Marie a Alléluia. Amen. Frère bien-aimé. Et Jésus est né d'une naissance virginale. Comment on explique ça? Même Joseph, pourquoi ça a été difficile? Si ce n'était pas Dieu lui-même qui était venu parler à son cœur. Mais la résolution de Joseph était claire. Une femme que moi j'ai prise. Je sais que je ne suis pas allé la perdre. Elle se retrouve enceinte. Elle vient me raconter une histoire. Le Saint-Esprit a fait. Le Saint-Esprit. Mais quand on lit, on croit que c'est facile. Hein? Mais c'est difficile. On dit le Saint-Esprit. Pour le mari, il s'assoit et dit le Saint-Esprit. Donc Dieu a regardé dans tout Israël. Il a regardé tout Judas. Et puis, c'est à toi qu'il a fait ça. C'est difficile à accepter. Hein? On finit même par douter.
de la sincérité de sa fiancée. Et puis le Seigneur, comme il a vu les dispositions de Joseph, et puis Joseph ne voulait pas faire du mal aussi à Marie. Et bien, il dit Joseph, cette affaire-là, c'est moi j'ai fait. C'est ma chose à moi. Alléluia. Il ne faut pas penser que Marie t'a trompé. Parce que c'est la promesse de ce qu'a dit Esaïe il y a longtemps. Amen. Ça vient de s'accomplir. Pourquoi? Alléluia. Amen. Et Joseph s'est levé, il a pris Marie. Et puis il est allé avec. Comme le Seigneur lui a dit. Alléluia. Frère, j'espère que c'est merveilleux. Amen. Vous savez que pour ceux qui sont mariés, la science recommande certaines choses. Hein. Lorsque la femme est enceinte, le mari et la femme leur vie à deux, ainsi de suite. Mais comme ce qui était dans le ventre de Marie n'était pas pour Joseph, alors le Seigneur l'a convaincu dans le cœur. Et jamais Joseph n'est allé avec. Jusqu'à ce que Jésus puisse naître. Alléluia. Oui, bien aimé. Certains hommes, la Bible dit, il ne l'a connue plus jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Il y a certains hommes qu'ils ont regardé pour défendre la mauvaise doctrine. Ils disent, il ne l'a connue point. Ce n'est pas ce que la Bible m'a dit. Amen. La Bible dit jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Après sa naissance, là, Joseph l'a mis avec elle. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a Jésus, il y a des frères. L'un de ses frères s'appelle Jude, n'est-ce pas? Pierre, Jacques, et puis Jésus a des sœurs. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Alors à partir des choses qui sont méprisables, le Seigneur fait de bonnes choses. Il a fait à la personne de notre Seigneur. Regardez même Gédéon. C'est ce que le Seigneur a fait. Je crois Gédéon Jephté. L'un était fils d'une femme prostituée. Les hommes cherchaient un libérateur. Ils le méprisaient. On ne le considérait pas. Mais comme il n'y avait personne pour être vaillant, aller au combat, ils ont regardé et dit, quand bien même c'est le fils d'une prostituée, là on reconnaît en lui un homme vaillant. Et ils l'ont pris pour être chef. Oui, bien aimé. Ce que nous regardons et considérons, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Il dit du fils de David, du frère de David, vous me regardez à l'apparence. Moi, je regarde le cœur. Alléluia. N'est-ce pas? Ce que Dieu il approuve, il approuve. Et ce qu'il désapprouve, il désapprouve. Et remarquez que la Bible dit, pour nous les croyants, frères, le dit, frère. Les noms de l'agneau, quand l'invitation est faite dans le livre de Matthieu 22, les hommes refusent d'écouter. Ceux qui acceptent de venir, le Seigneur les reçoit. Il dit quoi? Il regarde la maison n'est pas pleine, garde la place. Il dit allez au coin des rues, dans les carrefours, amenez tout ce que vous trouvez. Moi j'ai besoin de tout le monde. Il y a des brigands, des voleurs, des fugitifs. J'ai besoin. J'ai besoin. Il faut que ma maison soit pleine. Et quand il les a amenés, il les a lavés, taillés. C'est pourquoi après il a regardé, il a vu un imposteur. Et il a mis Dieu. N'est-ce pas? Amen. Jésus a dit quoi dans le livre de Matthieu 21? Les prostituées et les publicains vous dérangeront dans le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous dit d'être des prostituées. Amen. Non. Mais lorsque le Seigneur nous regarde dans notre état, qu'il nous donne la bonne parole, que nous l'acceptons, il nous prie, il nous lave. Il nous taille, alléluia. Oui, bien aimé, frère. Oh, on peut toujours parler de ceci, de ces choses si merveilleuses. Amen. Paul dit que le Seigneur a fait de nous la balayure de ce monde. Nous sommes des hommes méprisés, inconsidérés et même rejetés. Mais cependant, dans cette phase de terre que nous sommes, Dieu a placé un si grand désir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit.